Voilà, tandis causé bel et bien présent dans la commune Saint-Louis du Sud. Là, vous remarquez, nous sommes sur le point international de la commune Saint-Louis du Sud. Là, vous suivez. Là, il y a un bateau qui est accosté sur le port, actuellement, dans le moment. Le bateau ça sorti dans le pays de la Colombie. Vous suivez. Le bateau ça lui-même, l'hypothèse pour entrepreneurs dans le grand sud pays. Eh bien, le bateau ça lui-même, il y a 2 jours sur le port. Toute mise en place a fait pour bateau ça lui-même débarquer. On va suivre, il y a plusieurs conteneurs qui étaient disponibles qui viennent chercher ciment pour transporter dans plusieurs communes, dans ville locale, dans grand sud là en général. On a constaté tant de causes lui-même te viennent faire vivre comment ça est sur le point international Saint-Louis du Sud. On va regarder bien. Ouais bateau, on va suivre. Toute mise en place presque fin fait. Pour bateau ça lui-même commencer à débarquer sur le point international commune Saint-Louis du Sud. Vous regardez tout arrangement presque fin fait. Bateau ça lui-même va débarquer pour desservir entrepreneurs dans le grand sud pays. Nous pas commencer ça nous pas saluer trois gros personnages en d'apport. Nous saluons Mme Anne Auge, qui est vice-présidente POA. Mme Anne Chabou-Babou. Nous saluons l'agronome Pierre Léger, ancien président POA, qui est toujours dans le conseil d'administration. Agronome Pierre Léger, Chabou-Babou. Nous saluons M. Camille Leblanc, qui est avocat POA, 26 ans de combat, 26 ans de bataille, il y a un avocat qui crée toute alternative, qui crée toute synergie pour que pour ça vienne une réalité aujourd'hui. Mettre Camille Leblanc, chapeau babou. Je salue les collègues, les camarades, les Kazé Clément, c'est l'homme, il est infatigable, un homme de combat qui toujours bataille aujourd'hui pour ça vienne une réalité. Nous avons avec nous Dr. Ousmane Noël, une équipe à jamais fatiguée, mais nous aussi pour lui, dans toute activité qu'il a entreprise pour POA. Dr. Noël, chabou babou. Je dis, je me sens content. Je me sens que j'ai une joie si je regarde bien dans le cœur. Le fait que nous avons un bateau qui sorti du côté de Colombie. C'est un bateau commercial côté que entrepreneur Antonio yo fait venir débarquer sous port international de Saint-Louis du Sud. Moi salue toute petite Saint-Louis. Toute Saint-Louisien, Saint-Louisienne à travers le pays, à travers le monde et sa grande diaspora. Nous avons espoir. La joie là que nous avec contentement pour le pays pour le revivre encore. Je t'ai regardé le 17 octobre. Nous sommes là où pour nous demander ouverture réelle. Ouverture réelle, c'est pas parce que nous avons une autorisation. Oui, pour avoir une autorisation pour fonctionner. Je dis à nous inviter tout commerçant. Tout entrepreneur la grand sud là nous inviter tout entrepreneur au niveau la République de Port-au-Prince et spécialement entrepreneur dans le sud pour yo entendre pour yo faire un faisceau pour yo faire bateau accosté sous port ça qui c'est port international de Saint-Louis du Sud. Ça c'est pas Jolin, je vais regarder là. Nous c'est meilleur bain la Caraïbe là. Bateau accosté, pas gain l'âme, pas gain rien. Je vais regarder là. C'est pas Jolin que nous a fait. Entrepreneur, commerçant, m'a envoyé un message d'invitation pour nous au niveau de Port-au-Prince. Pas concentrer bagaille au Port-au-Prince seulement. Nous demandons pour entrepreneurs et commerçants de déconcentrer
activité au niveau de Port-au-Prince, puis on venir avec un parti la grand sud pays a, et spécialement la commune Saint-Louis du Sud sous port international de Saint-Louis du Sud pour débarquer marchandises. Car dit Odi Lombaro, dans la déconcentration, c'est les mêmes matos qui frappent, mais on a raccourci les manches. Entrepreneur, c'est toujours vous même qui dirigez là. Vous avez besoin de vous seulement. C'est toujours vous même qui sortez de Port-au-Prince, qui venez là avec bateau. C'est toujours vous même qui dirigez. Ce n'est pas l'autre monde qui va le diriger. Nous ne pouvons pas faire une activité pour gagner Port-au-Prince. Nous invitons à venir jouer nous ici. Nous invitons à faire bateau à côté là pour les gens dans le grand sud là, car ils nous aller. Bateau ça sorti dans le pays de la Colombie, il portait ciment. Ciment, ce n'est pas ciment en vrac, c'est ciment en sac. Il gagne là-dedans environ 3375 tonnes. 75 là-dedans. Ok, si ma c'est pour entreprendre dans le sud directement? Oui, si ma c'est pour entreprendre dans le sud. Bateau ça, il y a procédé des conseils, par contre, comment vous faites, mais nous avons clogé, et bon, nous pouvons remercier clogé tout. C'est un monde qui fait bateau commercial, fait première apparition sous port. Bateau ça, il y a combien de jours sous port là? Bateau ça, à peine accosté, matin, il y a des. Ok, il va pour le débattement? Nous allons débarquer tout à l'heure. Saluer Madame Anne Rouge, le vice-président. N'a pas salué le président Agonom Bielégé. N'a pas salué l'avocat pour qui se met Camille Blanc. N'a pas salué un groupe de garçon, l'homme fatigué qui se met Madeleine Muis, président de l'association de Badet du Sud. Et non pas, quand c'est clair, c'est l'homme pas un mot pour me dire toute la population dans le Grand Sud là, merci. Et parce que je dis à yon embrassé le bas, je pense que le message m'a arrivé. Et côté pour le vivre. Je dis à nous. Thank you.